Acclamons le Seigneur. Acclamons de toutes nos forces. Rambolamis mafnuzandetovial. Si vous pouvez faire plus fort, faites plus fort. Amaki baiboli sika panjakafaru tukfadimi andin fasivi katamni difevtambifud. Nous allons lire la Bible dans 2 Rois chapitre 5 versets 9 à 14. Tuko de vakina vetrany amin'ny teny frantsay leteny. Nous allons lire tout de suite verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain. Ta chair deviendra saine et tu seras pur. » Naaman fut indigné et il s'en alla en disant, « Je me disais, il sortira en personne vers moi. » Il fera appel au nom de l'Éternel son Dieu. Il fera un mouvement de la main sur l'endroit malade et il guérira ma lèpre. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur? Il tourna le dos et il partait plein de colère lorsque ses serviteurs s'approchèrent de lui pour parler. Ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il t'a dit. Lève-toi et tu seras pur. » Il descendit alors se plonger 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant et il fut pur. Nous allons aussi lire Jacques, chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Le thème d'aujourd'hui, c'est ceci. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu, nous, l'Église Réfi, qui assistons à ce culte aujourd'hui. En tant que serviteur de Dieu, chère Église, en tant que serviteur de Dieu, nous devons respecter Dieu. Nous devons placer Dieu à sa place de Dieu. Et le plus important, nous devons obéir et mettre en pratique la parole qui est écrite dans cette Bible. Si nous lisons la Bible, nous n'avons pas le choix, mais nous devons faire selon ce qui est écrit. Une personne qui n'obéit pas à la parole de Dieu n'est pas un serviteur de Dieu. Alors faisons attention, nous ne devons pas faire notre propre volonté, mais seulement la volonté de Dieu. Nous ne devons pas nous justifier que voici la raison pour laquelle je n'obéis pas à sa parole. C'est très clair ce qui est écrit dans Jacques, chapitre 1, verset 22. En tant que serviteur de Dieu, a dit Jacques, mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter. En tant que serviteur de Dieu, voici ce que Dieu nous dit également. Nous devons respecter Dieu. Nous devons placer Dieu en son rang de Dieu. Nous devons obéir à la parole de Dieu.
Nulalana, mapitra ny olona andriamanitra any an-danitra any amin'izay misy an Jesus. C'est le chemin qui conduit les serviteurs de Dieu à l'endroit où Dieu et Jésus se trouvent. Personne ne peut entrer dans le ciel si Dieu voit que sa vie n'est pas conforme à sa parole. Le fait de respecter Dieu, le fait de le placer en son rang de Dieu, et le fait d'obéir à sa parole et de la mettre en pratique, c'est aussi l'un des chemins qui nous conduit à la bénédiction et à la grande victoire. Nous sommes C'est pourquoi nous devons respecter Dieu, nous, son Église, pendant toute notre existence. Et chaque jour, partout où nous irons, mettons toujours Dieu en son rang de Dieu. Et quelles que soient les situations que tu traverses, respecte toujours Dieu et obéis à sa parole. Je crois que Dieu connaît ce que je vais vous annoncer. Il y a beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup d'églises chrétiennes. Il ne s'agit pas seulement d'une ou de deux ou de trois personnes. Mais beaucoup de chrétiens ne respectent pas Dieu. Beaucoup de chrétiens ne mettent pas Dieu en son rang de Dieu. Beaucoup de chrétiens n'obéissent pas à la parole de Dieu et ne la mettent pas en pratique. Voilà ce qui se passe, bien-aimé, actuellement. Voilà ce qui se passe parce que le diable trompe plusieurs chrétiens. Beaucoup de chrétiens sont trompés. Nous sommes ils ne font que leur propre volonté et non pas la volonté de Dieu. Chère Église qui est ici, si vous êtes parmi ces personnes, je vous exhorte à vous repentir immédiatement. Parce que quelle sera ta fin si tu ne respectes pas Dieu, si tu ne le mets pas au rang de Dieu et tu n'obéis pas à sa parole? La parole que je vous ai annoncée est claire. Possible, c'est possible que Dieu n'accepte pas que tu ailles là où il se trouve si tu ne le respectes pas et si tu n'obéis pas à sa parole. Et c'est possible que Dieu ne te bénisse pas. Et c'est possible que tu ne trouves pas de solution devant les défis que tu affrontes. C'est vrai que Dieu a déjà promis que tous ceux qui sont en Jésus seront bénis et victorieux. Mais si Dieu voit que tu ne le respectes pas, tu ne le mets pas au rang de Dieu et tu n'obéis pas à sa parole, il ne pourra rien faire pour toi. C'est pour ça que je dis que tu dois te repentir si tu ne respectes pas la parole de Dieu et si tu vis de cette façon.
Qu'est-ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 21? Ce que Jésus a dit est clair. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Aussi, je vous exhorte tous pour que vous n'ayez pas de faux espoirs. Respectons Dieu. Plaçons Dieu en son rang de Dieu. Obéissant à Dieu tous les jours. Que ce soit conforme à notre volonté ou pas, sa parole, obéissant toujours à sa parole. Comme il est écrit dans 2 Rois, chapitre 5, versets 9 à 14. Écoutez bien ce qui était écrit. Il y avait un homme qui s'appelait Naaman. Cet homme était lépreux. Quand il a entendu le témoignage qu'en Israël, il y a un serviteur de Dieu qui peut guérir les lèpres, il a décidé de partir en Israël pour rencontrer cet homme de Dieu qui se trouve en Israël. Et quand ils sont arrivés à la porte de la maison de l'homme de Dieu appelé Élisée, il attendait que le serviteur de Dieu sorte de la maison pour prier pour lui. Et pourtant, le serviteur de Dieu n'est pas sorti, mais il a envoyé un autre serviteur. Et voici ce que l'homme de Dieu appelé Élisée a dit. Va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras guéri de ta lèpre. Quand ce lépreux a entendu cela, il n'était pas content. Parce que ce qui était dans son cœur et dans ses pensées, c'est que le serviteur de Dieu sortira en personne pour prier pour lui. Il n'était pas content d'avoir entendu également qu'on lui demandait d'aller se laver 7 fois dans le Jourdain pour être guéri. Et c'est pour ça qu'il a dit que chez nous également, il y a des cours d'eau, l'Abana, le Parpar, les fleuves de Damas. Il a dit, pourquoi je ne vais pas plonger dans les eaux là-bas pour être guéri? Il y a beaucoup de gens qui agissent ainsi, bien-aimés. Il ne veut pas écouter ce que Dieu dit. Il ne veut pas écouter ce que le serviteur de Dieu dit. Il a ses propres pensées. Et pourtant, Dieu n'a créé pas une vie pareille. Mais ce qui convient à Dieu, c'est ceci. Tout le monde doit le respecter. Tout le monde doit le mettre à la place de Dieu. Tout le monde doit obéir à sa parole et la mettre en pratique.
arano palopony andriamanitra azo no miteny dia ilaina andriamanitra ho ekena sakatoavina izany. Et même si c'est le serviteur de Dieu qui parle, Dieu veut qu'on y obéisse. Satria andriamanitra fanampanantena atao bokin' Isaia fa ho toavina andriamanitra miteny aloky vavan'ny mpanompony. Parce que Dieu a déjà promis dans le livre d'Ésaïe qu'il va accomplir la parole de son serviteur. La Bible dit que Naaman le lépreux était décidé de rentrer chez lui. Heureusement, il y avait un membre de sa délégation qui lui a dit: Seigneur, si le prophète de Dieu a dit cela, est-ce que tu ne devais pas l'accomplir? Si c'est le fait de plonger cette fois dans l'eau du Jourdain qui va te guérir, est-ce que tu ne devrais pas le faire? En tant que serviteur de Dieu, ce n'était pas ses propres paroles, mais c'était les paroles de son Dieu. Si tu n'obéis pas à la parole de son serviteur, c'est comme si tu n'obéissais pas à Dieu. Que Dieu soit remercié parce qu'à la fin, il était quand même convaincu. Et il a décidé de se laver cette fois dans l'eau du Jourdain. Et quand il l'a fait de tout son cœur et avec foi, la Bible dit qu'il était complètement guéri. Cette histoire bien-aimée nous annonce que nous devons respecter Dieu. Nous devons placer Dieu en son rang de Dieu. Nous devons obéir à tout ce qu'il dit et mettre cela en pratique. Oui, même les paroles que le serviteur Dieu, tu dois le respecter et y obéir. Parce que selon ce qui est écrit dans la Bible, Dieu ne fait rien sans passer par son serviteur. Tu es vraiment perdant si tu viens ici et tu ne crois pas à la parole que je t'annonce. Chère Église qui assistait à ce culte, est-ce que tu veux aller au ciel? Ma parole est simple, respecte Dieu. Mets le Dieu que tu sers à son rang de Dieu. Obéis à la parole de Dieu et mets-la en pratique. Obéis aussi à la parole ou la prédication que le serviteur de Dieu annonce. Est-ce que tu veux être béni et tu veux recevoir la victoire en cette fin d'année? Je vous dis que Dieu est vraiment prêt à nous conduire dans la bénédiction et la victoire cette année. C'est pour ça que nous avons eu un grand culte depuis le début du mois de novembre jusqu'à aujourd'hui. Pendant un mois, Dieu nous a demandé de vous délivrer de tous les esprits de mort et de malédiction. Parce que Dieu veut nous bénir et nous rendre victorieux cette année. Est-ce que tu veux être béni et être victorieux? Je te dis, respecte Dieu.
Mets-le en s'en rend de Dieu. Et par-dessus tout, obéis à sa parole et mets en pratique tout ce qu'il a dit. Que cela soit conforme à tes pensées ou non, marche selon ce que Dieu t'a demandé. À part l'histoire de Naaman le lépreux, nous allons voir une autre histoire qui va nous expliquer que nous devons respecter Dieu, nous devons le mettre au rang de Dieu et obéir à sa parole. Acclamons fort pour le Seigneur. Voici ce que je veux vous confirmer. Dieu veut que nous le respections. Dieu n'est pas d'accord avec les personnes qui ne le placent pas en son rang de Dieu. Dieu n'est pas d'accord avec les personnes qui n'obéissent pas à sa parole et ne la mettent pas en pratique. Ne te laisse pas tromper par le diable ou par tes propres pensées. Nous allons voir par exemple l'histoire de Saül, le roi d'Israël. Comme il est écrit dans la Bible, Dieu a désigné Saül comme roi d'Israël. C'était vraiment une surprise pour Saül que Dieu l'a désigné comme roi. Parce que comme il est écrit dans 1 Samuel chapitre 9 verset 21, Saül a dit que c'est vraiment une surprise pour lui que Dieu l'a désigné comme roi. Parce que dans ma tribu, je suis benjaminite. Parce que je suis membre de l'une des plus petites tribus d'Israël. Dans ma famille, je suis le plus jeune. Connaissant Dieu, ce n'est pas possible qu'il me désigne comme roi. Mais je remercie Dieu parce qu'il m'a choisi et il m'a désigné pour roi. Voilà ce qui s'est passé dans la vie de Saül. C'est ce qu'on appelle la grâce. Bien-aimé qui assistait à ce culte, par la grâce de Dieu, nous sommes sauvés selon l'apôtre Paul. Ce n'est pas parce que Dieu a vu que tu étais le meilleur dans ta famille ou dans la société que c'est pour ça qu'il t'a sauvé. Mais c'est par la grâce de Dieu qu'il a sauvé ton âme. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Par la grande grâce de Dieu, Dieu peut te conduire dans une vie meilleure. Dieu peut te distinguer du reste de ta famille. Ce que l'apôtre Paul est très encourageant, ce qu'il a dit dans Romains chapitre 8 verset 31. L'apôtre Paul a dit ceci: il a dit que Dieu n'a pas refusé son propre fils pour nous. Mais
Mais par la grâce de Dieu, il nous a donné gratuitement son propre fils pour sauver notre âme. Et est-ce que vous ne croyez pas, a dit l'apôtre Paul, qu'il nous donnera aussi toutes choses en lui? C'est pour ça que je vous dis que grâce à Jésus-Christ, Dieu peut nous distinguer. Nous, Jésus Christ, asunandriamanitra ampiakarina ho amin'ny toerana ambony ambony isika. Grâce à Jésus-Christ, Dieu peut nous placer sur une place très élevée. Sarotra aminao ny mino an'izany. Est-ce que c'est difficile de croire cela? Sarotra aminao ny mino an'izany noho ny situation iainanao ankehitriny. Est-ce que c'est difficile pour toi de croire cela à cause de la situation que tu traverses actuellement? Mais je proclame avec audace que c'est possible ce matin. Possible, c'est possible cette année. Parce que je pense à mon passé. Si je pense à mon passé, j'étais parmi les personnes qui étaient vraiment perdantes dans la vie. Je n'ai jamais pensé auparavant que j'arriverais à cette place où je suis actuellement. Parce que nous étions de grands pécheurs auparavant. Nous pratiquions l'idolâtrie. Nous avons commis beaucoup de péchés auparavant. Et même si j'entends quelqu'un qui fait des prédications, je m'en fiais. Je ne m'attendais pas du tout à ce que Dieu sauve mon âme. Si auparavant je m'en fiais quand quelqu'un faisait des prédications, c'est ce que je faisais depuis toujours. Un jour, je m'étais arrêté et j'ai écouté ce que le prédicateur a dit. Ce n'était pas à l'église, mais c'était en public. Je ne croyais pas du tout que j'allais décider à donner ma vie à Jésus. Et à partir de là, je suis devenu un serviteur de Dieu. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment par la grâce que Dieu m'a sauvé. Et je remercie Dieu qui me conduit dans une grande bénédiction jusqu'à aujourd'hui. Et si vous croyez que c'est Dieu qui nous a conduits dans une vie pareille, croyez aussi que Dieu peut vous conduire de la même façon. Croyez avec foi que nous, serviteurs de Dieu qui vous conduisons, nous sommes comme la tête d'un train. Et vous qui nous suivez, vous êtes comme des wagons qui suivent la tête du train. Si Dieu nous a distingués et nous a placés à une place très élevée, croyez que Dieu peut vous conduire de la même façon. Que Dieu réalise cela cette année. Au nom de Jésus, cela va se réaliser. Si je dis cela, je crois que c'est Dieu qui me pousse à le dire. Il dit, dis-le parce que j'aime cette église. Pour remercier Dieu, acclamons très fort. Nous revenons à l'histoire de Saül, le roi. Quand Saül est devenu roi, Dieu lui a donné un grand engagement. Il
Le Seigneur Dieu a dit à Saül. Dans 1 Samuel chapitre 15 verset 3, nous lisons au nom de Jésus. Va maintenant frapper les Amalécites, fouer à la destruction tout ce qui leur appartient. Tu ne les épargneras pas et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et bébés, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Dieu a donné cet ordre à Saül parce que Dieu ne supportait pas ce que les Amalécites ont fait en cette année-là. Parce que quand les Israélites sont partis d'Égypte et que Dieu les a bénis dans le pays des portants de lait et de miel, nous sacana ni amalekita tena pandiana na sansreli matsutuka any amtan tudrusi tantely. Les Amalécites ont fait un barrage en chemin pour qu'ils n'arrivent pas dans ce lieu où ils devaient aller. Nous sacana sansreli matsandray ale fasoavana lebe no manandriamanitra ho azy. Ils ont empêché les Israélites pour qu'ils ne reçoivent pas la grande bénédiction que Dieu leur a réservée. Kanefa yanko les programmes n'andriamanitra mitsy no sacana ni. Mais c'est vraiment le plan de Dieu qu'ils ont empêché pour que ça ne se réalise pas. Et c'est pour ça que Dieu a décidé plus tard qu'il allait vouer à la destruction tous les Amalécites. À cette époque, Dieu a vu que Saül pouvait réaliser cela. Et la Bible dit que Saül est vraiment parti pour accomplir la parole de Dieu. Malheureusement, il était trompé. Le peuple l'a trompé. Ses propres pensées l'ont trompé. C'est pour ça qu'il n'a pas voué à la destruction les Amalécites selon l'ordre de Dieu. Il a voué à la destruction les Amalécites. Il a tué les hommes et les femmes. Mais il a gardé certaines personnes en vie. Il n'a pas tué tous les Amalécites. Il a gardé en vie quelques bœufs et brebis. Et pourtant, Dieu ne lui a pas dit de garder en vie certaines personnes ou certains animaux. Alors, Dieu n'était pas content et a pris une décision. Dieu a pris une décision parce que Saül ne l'a pas respecté et ne l'a pas mis en son rang de Dieu. Dieu a pris une décision pour Saül parce que Saül n'a pas respecté à 100% la parole de Dieu. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 15 versets 22 et 23. Où Samuel a tamsoli tamnyala. L'Éternel Dieu a dit à Saül à travers Samuel. Samuel,
armien tsara no saboranon ra. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il autant de plaisir dans les holocaustes et les sacrifices que dans l'obéissance à sa foi? Non, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'écoute attentive vaut mieux que la graisse des béliers. Tandine fatelmropoul, fan miodina ou yandiamantra, detun yelko fakatavana, arndit, detun manupsampi, sterafim. Verset 23. Oui, la révolte est aussi coupable que la divination et la résistance au Seigneur est aussi fautive que le recours au teraphim. Desom tuolete, sati nandanten Jehova yenori soli dia nous lave nandemanta tu panzaka intsun. Voici la suite de la parole. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette lui aussi comme roi. Marnafa fasoavana nous nandendendemanta nao upanzaka Israël. C'est vrai que Dieu t'a désigné par sa grâce comme roi. Si tu peux nandemanta ni nametika nao upanzaka Saul. C'est la volonté de Dieu de te désigner comme roi, Saül. Mais comme Dieu a vu que tu ne l'as pas respecté, tu n'as pas obéi à sa parole, Dieu a dû prendre une décision. Tu es enlevé de ta place de roi, Saül. Et à la fin, l'esprit de mort est même entré dans Saül. C'est pour ça qu'à la fin, Saül s'est suicidé. C'est écrit dans 1 Samuel, chapitre 31, verset 4. Chère église qui assistait à ce culte, voici donc le message spécial pour nous tous. En tant que serviteurs de Dieu, cela ne convient pas à Dieu que nous qui sommes serviteurs de Dieu, nous ne le respectons pas et ne le plaçons pas à son rang de Dieu. Cela ne convient pas à Dieu que nous sommes serviteurs de Dieu et nous n'obéissons pas à sa parole. Cela ne convient pas à Dieu. C'est ce que nous avons vu concernant Naaman le lépreux. C'est ce que nous avons vu concernant le roi Saül. C'est pour ça que parfois nous avons une mauvaise fin parce que nous ne plaçons pas Dieu en son rang de Dieu. La raison aussi, c'est parce que nous n'obéissons pas à sa parole et nous ne la mettons pas en pratique. C'est pourquoi nous devons faire très attention à ce que Dieu nous dit. Écoutez attentivement le message qui est très important que je vais vous annoncer ce matin. Tout à l'heure, c'était une sorte d'introduction. Mais ce que Dieu veut vraiment dire, c'est ce message-ci. Avant que Jésus ne soit monté au ciel, il a réuni les apôtres et ses disciples. Il a fait beaucoup de messages que Jésus a donnés aux apôtres et à ses disciples. Jésus a dit, j'ai déjà accompli la mission que Dieu m'a envoyé à faire. Je dois revenir vers mon Père, a dit Jésus. Et quand je serai là-bas, je préparerai une place pour vous. Et
Et je reviendrai et je vous prendrai. Et là où je suis, vous serez aussi. Quand les apôtres ont entendu cela, ils étaient très contents. Ils ont remercié Dieu le Père et ils ont remercié Jésus. Mais Jésus a dit, voici, il y a une grande mission que je vous confie à vous qui êtes mes apôtres et mes disciples. Jésus a dit, dorénavant, allez dans le monde entier et proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Vous devez proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Vous devez proclamer à toute la création que j'étais mort à la croix pour le péché de tous. Vous devez proclamer à toute la création concernant le sang que j'ai versé à la croix. C'est le chemin que Dieu a trouvé pour sauver le monde. Pour que le plan de Dieu se réalise, que toute la création soit sauvée. Je vous donne ce message que vous devez aller et proclamer la bonne nouvelle. Ce n'est pas un choix, mais c'est une obligation. Vous devez prêcher l'évangile. C'est comme Saül qui a été envoyé pour vouer à la destruction tous les Amalécites. Jésus a dit, je n'ai pas d'autre puissance ou d'autre personne à qui je peux confier de proclamer la bonne nouvelle. Et je ne peux pas le faire moi-même pour apporter tout cela. Mais je peux confier cela à vous tous qui êtes mes apôtres et mes disciples. Alors partez vraiment. Nous remercions Dieu parce qu'après ce message, Jésus est monté au ciel. Et les apôtres et les disciples sont partis dans le monde entier pour prêcher l'évangile. Nous allons lire Marc chapitre 16, verset 15. Tu sonnes tes natons, Jésus. Arustam, mandeyanam, sot tout le savoir en arrière, kamitrif les ansara, amnulben narit. Puis il leur dit, allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Au verset 19 et 20, il est écrit, après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Quand j'observe la Bible, je vois que le Dieu Tout-Puissant était vraiment très content quand il a vu les apôtres et les disciples annoncer la bonne nouvelle. Chère Église qui assistait à ce culte, le Seigneur a aussi besoin de nous pour que nous proclamions l'évangile à toute la création. C'est ce que les apôtres et les disciples ont fait à cette époque.
Il ne pouvait plus continuer à proclamer l'évangile. Mais nous tous qui sommes de la descendance actuellement, Dieu attend que nous proclamions l'évangile pour que le plan de Dieu se réalise, que tout le monde soit sauvé. Et je dis que si tu ne marches pas comme Saül qui était roi d'Israël, qu'est-ce que Dieu va décider concernant ta vie? Ou si tu marches quand même, mais tu fais seulement ce qui est ta propre volonté, quelle sera la décision de Dieu concernant ta vie? Jacob a dit à nous tous, mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter. L'apôtre Jacques a dit, marchez selon les commandements de Jésus. Ce que les apôtres ont fait, faisons-le aussi. La ville de Samarie n'aurait pas été sauvée si Philippe n'était pas allé là-bas pour annoncer l'évangile. Nous n'aurons pas été sauvés comme cela si personne n'est venu vers nous pour proclamer l'évangile. Alors, marchez selon le commandement du Seigneur et proclamez la bonne nouvelle. Ne prenez plus de délai. Prenez également la prophétie apportée par Ésaïe le prophète. Ce qu'Ésaïe le prophète a dit est très clair. Il a dit, lève-toi maintenant et prie. Il a dit, lève-toi et montre-toi au monde entier pour apporter la lumière. Il a dit que c'est à travers toi que Dieu va enlever les gens des ténèbres et les faire entrer dans la lumière. C'est à travers toi que l'âme des gens sur cette terre seront sauvés. Imaginez un peu que si nous ne sommes pas allés à Parafaravoula la semaine dernière, quelle aurait été la fin de ces personnes qui vivent en Parafaravoula? Mais pendant que nous avons prêché la bonne nouvelle, quand le peuple a entendu la bonne nouvelle que nous avons annoncée, quand nous avons demandé qui parmi vous est décidé à revenir à Jésus, tout le monde s'est empressé pour aller devant pour qu'on prie pour eux. Ils se sont empressés devant pour qu'on prie personnellement pour eux. Je crois que Dieu était vraiment très content concernant la mission que nous avons fait là-bas. Actuellement, Dieu a besoin de beaucoup de personnes pour prêcher l'évangile. C'est pourquoi je vous dis, levons-nous et allons. Je vous bénis pour que vous réussissiez comme les apôtres. Allez prier pour les malades, allez chasser les démons.
Si tu fais le pas de prier pour les malades et de chasser les démons, Dieu sera avec toi. Ce n'est pas par ta propre force que tu guéris les malades, mais c'est par la puissance de Dieu. Allons vraiment. Ne faisons pas comme Saül. Respectons Dieu. Mettons-le au rang de Dieu. Obéis à sa parole. Parmi sa parole, il a dit, prêche la bonne nouvelle. C'est pour ça que Dieu t'a laissé encore sur terre en vie. C'est clair ce qui est écrit que Christ est sa raison de vivre. L'apôtre Paul a dit que c'est pour faire l'œuvre de Jésus qu'il est resté sur terre. J'ai foi que nous sommes tous comme cela. Dieu sait qu'à travers toi, beaucoup de personnes seront sauvées. À travers toi, il y aura plein de personnes que Dieu va faire sortir des ténèbres. Nous allons maintenant prier. Le premier sujet de prière, c'est que nous allons donner notre vie à Dieu et nous allons dire, me voici, je vais respecter ta parole, me voici, je te mets au rang de Dieu, me voici, j'obéis à tout ce que tu dis. Arfaru, ni vavaka totsika. Et le deuxième sujet, nous allons dire, me voici, envoie-moi, je vais annoncer l'évangile. Le Dieu que nous servons est ici avec nous. Il est prêt à écouter ta prière. Il est prêt à être avec toi pendant toute ta vie sur terre. Mets ta main sur le cœur et prions. Ouvre ta bouche et prie de tout ton cœur. Nous allons tous prier. Père Céleste, tu es le Dieu que nous servons. Merci pour le message que tu m'as donné aujourd'hui. Je crois au Dieu que cette église est une église que tu aimes vraiment. C'est pour ça que tu lui as annoncé ta parole. Et tu l'exhortes à te respecter. Tu l'exhortes à te placer au rang de Dieu. Tu l'exhortes à obéir à ta parole et à la mettre en pratique. Ô Père Céleste, que notre vie soit vraiment ainsi durant toute notre existence. Nous prions également au Père. Nous voici. Nous répondons à ton appel. Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. À partir d'aujourd'hui, nous serons debout et nous allons proclamer la bonne nouvelle. Toute l'église réfit va proclamer la bonne nouvelle. Que ce soit les anciens ou les nouvelles personnes, nous allons tous prêcher l'évangile. Nous n'allons pas faire comme Saül, le roi d'Israël,
Mais nous allons vraiment faire ta volonté. Que cela se réalise dans notre vie. Merci, ô Dieu. Au nom de Jésus. Ramisi marari amnarotia, miumana refanastanana, faivavo konerose marario. Si quelqu'un est malade, préparez-vous à recevoir la guérison, car je vais prier pour vous. Apiatao yo fulon tananao, ramarari anao. Mets ta main sur le cœur si tu es malade. Amnenara Jesus Christi afa Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Zerita marari toka eto esitranoko taolo. Tous ceux qui sont malades ici sont guéris. Yesu komtena ny olona nierin'ny aretina. J'enlève de la vie des gens la puissance des maladies. Ni fiftosana anatin'ny kibo vehivavy. Toutes les enflures dans le ventre des femmes. Sitranana amin'ny anaran'i Jesosy. Sont guéries au nom de Jésus. Ni fanatanana vatan'ny olona. Toutes les douleurs dans le corps. Esorina amin'ny anaran'i Jesosy. Je les enlève au nom de Jésus. Zeretra mieteretina eo amin'ny olona. Quelles que soient les maladies, miala mi anaran'i Jesosy. Partez au nom de Jésus. Miala mi anaran'i Jesosy. Partez au nom de Jésus. Tahaka ny nanasitrananao ireo olona maro teo aloha no anasitrananao izay mbola marary toka eto. Comme tu as guéri les malades auparavant, tu guéris aussi les malades maintenant. Misaotra andriamanitra. Merci Seigneur. Tsara anao. Tu es bon. Mpanao tsara anao. Tu fais le bien. Zareo manana olana ihany koa. Tous ceux qui ont des problèmes également, ils sont sauvés au nom de Jésus. Ce mois ne va pas passer. Mais en cette fin d'année, toutes les personnes qui sont ici seront sauvées de leurs problèmes. Au nom de Jésus, tous ceux qui sont ici vont voir Dieu agir dans leur vie. D'ici la fin de l'année, il y aura une grande bénédiction. Et nous allons recevoir la nouvelle année avec la bénédiction. Cela va se réaliser pour nous qui croyons. Merci, Père. Amen. Amen. Touchez les parties où vous aviez mal. Est-ce que quelqu'un était malade et maintenant vous sentez que vous êtes guéri? Si c'est le cas, nous donnons la gloire à Dieu, levez les mains. Et qui est malade maintenant? Levez les mains si vous êtes malade. Il y en a certains parmi vous qui êtes malades. Notre Dieu est un Dieu de miracles. Il y a 15 jours, j'ai reçu quelqu'un qui était malade dehors. C'est quelqu'un qui vient de la campagne de Tsurmandit. Il a entendu la prédication que nous avons faite à travers la radio. Il a décidé de venir à Tana pour nous rencontrer. Parce qu'il a fait tout son possible, mais il n'était pas guéri. Cette personne avait le ventre très grand. Alors que c'était un homme. Mais Dieu est merveilleux. Après la prière, son ventre est tout de suite devenu plat. Je ne l'ai pas vu, mais c'était sa famille qui l'a emmené ici, qui a dit, mais ton ventre est devenu très plat. Et j'ai vraiment regardé, son ventre s'est aplati. Et voici ce que cet homme a dit quand on lui a imposé les mains. Il a raconté à sa famille. Quand le serviteur de Dieu a mis sa main sur ma tête, immédiatement j'ai reçu comme du feu sur ma tête. Et sa famille a dit que c'était le feu du Saint-Esprit qui est descendu sur toi. Si tu as dit, il était guéri, il est rentré chez lui. Et
Takalai Namanapuka, Sitana, Denverna Tanem Tanini. Comme Naman le lépreux, il était guéri, il est rentré chez lui. Lutatarek Tamnaresan, il a sa comnareve, Tistukni Salasala, le remitre Fatukayetu, Kawia Marara Nareu, Familu, Fonat of Topivana, Diafkamana Sitana Diamant. Je vous ai raconté cela pour que vous ne doutez pas et que vous croyez que Dieu peut guérir pendant le culte. Aremaulan Diamantano, Demandresan Recta, il a son Yavano, Nalu Patatos Marar, ou Avetuis. Et en tant que serviteur de Dieu, prends des décisions, emmène ta famille s'il est malade. Parce que Jésus guérit vraiment. Jésus délivre vraiment. Et en cette fin d'année, le diable fait tout pour conduire les gens à la mort et aux maladies. Mais Dieu, en cette fin d'année, il va montrer qu'il est vraiment Dieu. Emmenez les personnes que vous connaissez. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons plus fort. Nous avons terminé ce culte. Le groupe de louanges va chanter, ensuite nous allons prier. Nous pouvons nous lever. Doma fisica faiaha kamze so so tigara nosi chapunia itur tenyam nyashpenatsi.
Nous allons maintenant prier. Seigneur, nous te remercions pour le culte d'aujourd'hui. Merci pour la parole que tu nous as donnée. Merci pour ton message, Seigneur. Merci parce que tu étais parmi nous aujourd'hui. Tu as été avec nous, tu as guéri les malades, tu as opéré des miracles, tu as transformé les filles. Merci Seigneur pour ta fidélité. Nous remettons entre tes mains tout ce que nous allons encore faire, Seigneur, et nous te remercions parce que nous savons que tu es avec nous. Tu nous accompagnes partout, Seigneur. Ta grâce et ta bénédiction nous accompagnent, Seigneur, en cette fin d'année. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Tem farão, então, se é tudo, e a Luísa.